Oui, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Brotaton. On est toujours en coop avec Chobiti. Salut Chobiti. Bonjour le Sting, bonjour tout le monde. Et du coup, est-ce qu'on tournerait pas dans la zone de crash? Ouais. Je vais reprendre mon nain, j'aime beaucoup le nain. Le curieux était cool aussi. Le constructeur il est difficile en coop parce que du coup on ramasse pas les bonus de matériaux à la fin. Tu regardais en silence tapis dans l'ombre, Galios. Bah écoute, pas de soucis. C'est un plaisir. Et salut Mazamara, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Oui. Bah ça c'est un perso qui est fait pour bouger. Par contre j'avoue c'est pareil, le côté moins de matériaux, ça va pas trop m'aider, mais. Alors, Alastre, il dit bonjour à Chobiti, parce que tout à l'heure, au tout début du live, Chobiti lui a fait un caca nerveux, parce que justement, il a dit bonjour tout le monde, je suis en coop avec Chobiti, et il a pas dit bonjour Chobiti. Voilà, et comme là on relance l'épisode de VOD, bah je dis bonjour Chobiti. Alors du coup... Elle est tellement morte dans la partie précédente que tu croyais qu'elle était partie. Non, elle est relativement visible à côté de moi, donc... C'est pas... Bah ça, écoute, c'est toi qui choisis ton build, hein. Qu'est-ce qu'il fait? Il gagne de la... des matériaux, c'est ça, et... Gagne des matériaux quand je fais des pas, donc en fait il me faut de la vitesse. Et après, ben... Des PV max, ouais. C'est-à-dire que tu gagnes des matériaux alors que moi j'en ai moins, quoi. Il va falloir que je travaille sur la récolte, du coup. Il n'y a rien qui me tente, je vais randomiser à 2 sous ça. C'est précis, hein, ça. Ça, c'est précis. Précis. Mazamara, c'est Chobiti qui a fait son caca nerveux, donc c'est Chobiti qui explique. Hein. Moi, je ne peux pas juger. Bah non, Chobiti fait pas partie de Bonjour tout le monde, non. Chobiti, Chobiti, c'est une démon. Attention. Et c'est vrai, hein, pour sa défense, que quand je fais une coop, en général, je dis bonjour à celui avec qui je fais la coop. Et comme je disais, c'est parce que, bah, techniquement, celui avec qui je fais la coop, il arrive au moment où on fait la coop, quoi. Je lui ai pas dit bonjour le matin en me levant. Mais et alors? Chobiti trouve ça honteux. Chobiti trouve ça honteux! Ouais, je constate que tu trouves ça honteux. J'ai dit, je vais partir sur du précis. En même temps, tu me prends toute la thune, alors. Ah, récit médical, ça peut être sympa. Si, elle est juste à côté de moi, Mazamara, là. Mais oui, non, pardon, en mode normal. Non, ben justement, c'est ça. En mode normal, il arrive pour la coop, donc je lui dis bonjour, c'est normal. Même après le 6e épisode. Ça. Ah ah, j'ai un casque. Oh non, moi aussi. J'ai le même que toi. Un bonnet, toi. Ah ouais, j'avoue que ton nombre de matériaux, il monte de fou, quoi. On joue sur le même ordi. C'est sur le même ordi, Mazamara. Ce qui fait qu'on est sur le même micro et sur pas le même clavier parce que je suis pas au clavier. Ah, les griffes c'est précis aussi.
On va monter la chance. Il y a des chances que tu montes la chance, oui. J'ai de la tu. On a marché sur la croix et il est pas apparu. C'est honteux. Bah, laisse-moi ramasser un peu de matériaux. Ouais. Moi. De matériaux, quoi. La loose. Ah, chouette. Ah, chouette. Je sais. Okay. On va augmenter un petit peu d'EPS. Bah bien sûr que t'as assez. C'est que tu meurs pas, non? Oui. Ah, maudit. Toi, t'as 200, quoi. Tout ça, c'est nul, en plus. La chance. Je tue tout le monde pour sauver la princesse, exactement. Un tournevis violet maudit, mais oui, bien sûr que oui. Les deux secondes, une mine maudite apparaissent. Éventuellement. Après Mazamara, comme je disais, normalement avec Steam, on doit pouvoir jouer en remote play together avec des PC à distance. Par contre, faut que le mec qui héberge ait un PC et une connexion qui dépote un peu, parce que c'est pas le genre de jeu où tu peux te permettre des latences, quoi. Le shuriken, c'est du cac et c'est précis. Ouais, c'est du cac, ouais. Il faut du critique, par contre. Ouais, mais ça, on va... Ouais, t'as 13% déjà, c'est pas mal. Alors, tu choisis Mazamara. De base, t'as 20 vagues. À la 20ème vague, t'as un boss. Et après, tu peux choisir de continuer plus loin en mode infini. Auquel cas, tu joues jusqu'à ce que tu meurs. Et régulièrement, y a des boss ou des élites qui apparaissent. Et après, y a un certain nombre d'objets qui ont des effets à partir de la vague 20 ou... Jusqu'à la vague 20, ça dépend. Pas dépenser trop de sous. Bah, ton perso, il faut qu'il bouge, hein. Bah ouais. Là, pour le coup, au moins, ça, c'est clair. Bah oui. Il est censé bouger. Ah non, je sacrifie pas de la chance pour de la vitesse. Non, cette fois-ci, faut pas que je prenne tous les bâtons comme une grosse patate. Ça en premier. 25. On prendra la prochaine fois, tant pis. De la vie. Ah, t'as raté le build de bâton juste avant, Mazamara. Ouais, mais l'ingénierie contre les critiques, j'en veux pas.
bon. Portée d'attraction, vu que tu... qu'on a moins de trucs qui tombent. Oui. Je peux pas avoir du précis, là? Vous me cassez les cacahuètes. Je suis en train de craquer toute ma thune, là. On va donner, hein. Non, mais en même temps, le succès randomisé 20 fois la boutique en une seule niveau. Je pense qu'avec ton perso, tu peux le faire. Hein. Faudrait que je gagne un peu de thunes. Faudrait que j'accumule en fait. Ça devient cher au bout d'un moment. Surtout s'il y a des objets qui sont intéressants. Gaëlden a un souci. Le mec qui est prof de maths dans notre Paris a créé la religion du géométrisme. Ses temples se font appeler des triangles. Sur Millenia, Nazamara ? Je pense que la vitesse. Et le problème, c'est que tu veux le rejoindre cette religion, c'est ça ? Elle te fait rêver. Oh, la chance, ça me tente, mais la vitesse, j'en ai besoin. Oh, mais je veux pas l'usine de pop. Moi, je veux l'usine de poche, moi. J'en veux pas. Moi, je la veux. Tournevis maudit, parfait. Ça. Est-ce que je la prends? Je sais pas si c'est commun à tout le monde, mais tu peux toujours, hein. Comment ça marche, moi aussi? Ah, il y avait un... Il s'est endormi. T'as déjà converti, il te roule un peu dessus. Ah oui, vous jouez pas en coop. Du coup, il fait quoi le poisson? Le poisson, il... Voilà. Il se repose, très bien. Il augmente la qualité des objets quand tu randomises, mais une seule fois. Ah. Ouais, du coup quand on prend l'usine de poche, il y a vachement moins d'armes. Déjà c'est pas commun parce que mes tourelles tuent des arbres et ça donne pas de tourelles supplémentaires. J'aurais pu économiser ma thune! Eh. Arrête de hurler dans le micro, s'il te plaît. Faut contre-attaquer avec la religion de l'astracisme. Ça se prend. Ah oui, c'est vraiment une fois, genre une fois quoi. Ah ouais! Ah, je savais pas que c'était qu'une seule fois. Une brique maudite. Bon, non. Ça va combiner un peu là. J'aimerais bien avoir une petite clé plate maudite là. Pentagone est sur l'affaire. Putain, elles font du taf les tourelles. Bah quand même, c'est un peu le build. Hein. Je vais chercher un petit fruit dans mon jardin.
Allez, allez, ça passe. Bon, on se débrouille bien pour l'instant. 2 d'armure, 6 d'esquive, ouais, on prend. Ça, c'est nul. Ça, c'est mieux. Ils arrivent à localiser le lieu de pèlerinage avec la triangulation. Eh oui. C'est vrai que ça... 28 PV, hein. Ah oui, c'est ce que je me disais. Il y a comme des dés en os qui proquent, je dirais. Pas tant que ça. C'est naze. Regarde, pas tant que ça. Ouais, pas tant que ça. Tentacule. Ouais, on va prendre Tyler, très bien ça. Cicatrice. La boussole, ce tournevis là, on prend. L'argent est réparti en fonction des kills. Pas du tout, Mazamara. L'argent, c'est les petits trucs verts qui tombent par terre. Enfin, il y en a qui sont de l'XP. Je crois que c'est les ronds et les carrés, c'est de l'argent. Et du coup, c'est ceux que tu ramasses. Sauf que Shobiti, elle a un personnage où elle ramasse en plus de l'argent quand elle marche. Tous les 10 pas, je crois, elle ramasse 5. Elle génère 5. Et du coup, en échange de ça, elle a un malus qui fait qu'il y a moins 50% qui tombe par terre. Donc moi, j'ai beaucoup moins à ramasser, du coup. En tirelire, c'est pas mal pour toi. C'est un peu ça, Mazamara. Thune ! Thune ! Surtout que moi, je gagne des bonus quand j'arrive à tuer 6 ennemis. Tyler, ouais. Oh, il proc bien avec la... l'ingénierie. Il est 79 de dégâts, là, déjà. On veut pas cadeau. Mort. J'ai pas réussi à poursuivre le papa cadeau. C'est vrai qu'il est solide. Oh, on se calme, là. Okay. Tu te demandes si ça force pas à build récolte tant qu'on ton quoi. Bah ça dépend des persos. Oh, un autre Tyler, bah oui carrément. De la régène. Ça dépend des persos, mais ouais, il y a des fois où clairement le, la récolte, ça peut être vraiment intéressant, ouais. Ah, l'usine de poche, ça c'est bon ça. C'est pas très bon. La régène de PV contre de la chance et de la chance ensuite. Non, tu peux aussi tout verrouiller pour espérer que ce soit maudit et garder ta thune pour faire proquer la tirelire. Ça fait plus un, plus un. J'ai perdu une stat et j'en ai... Bah, gagner deux, c'est bien. Je pourrais pas... On va virer un truc pour ça qui a fait que 300 dégâts. On des ciseaux. Je verrouille des objets si tu veux faire croquer ton... Ah oui, bah oui. J'aurais dû rendre de mes ébouts. Ouais. Exactement, t'as tout intérêt à beaucoup randomiser. Ils ont une belle carapace ceux-là. Ouais, ils sont solides, ouais. Un cadeau. Arrow sur le cadeau. Tuer l'arme, ça fait popper
deux tourelles quoi. Est-ce qu'on l'a tué en même temps? Bah, je sais pas, j'ai pas l'impression, ça peut être assez loin. Mais... Ouais, non, moi aussi. Mais... Les objets en bas ont des passifs. Alors oui, si tu parles dans l'inventaire, ouais, tout à fait. Et merci d'être passé, SHRTZ. À bientôt. Tous ces objets-là, ouais, c'est des passifs. Ils ont des... Enfin, oui, après, tu vois, il y a des trucs qui peuvent créer des tourelles et tout, donc je sais pas si on peut parler de passifs, mais... Ils améliorent ou ils diminuent les stats, et ça, c'est ton personnage. Don de sang. Tournevis, oui. Marteau à plasma. Pot de pierre, 1 PV max tous les 1 d'armure permanente que vous avez en échange de vitesse d'attaque. Bah ouais, carrément. Ah, j'ai assez pour acheter ça. J'ai plus de thunes. M'a piqué plus de thunes. M'a piqué ma thune. T'as dépensé, ouais. Je te connais. Je connais un peu trop, ouais. Là, j'ai que 15 PV en fait. Hein. Bah oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Tu m'as fait ah, mais t'as que 30 PV, mais t'en as carrément deux fois moins que moi. Y'a un cadeau. Ah, c'est moi qui ai eu la caisse. Je vois ça. Il y a deux tourelles qui apparaissent sur les armes du coup. C'est peut-être un bug. Hein. Non, si on peut, on n'a pas trouvé comment faire, Mazana. On peut se donner de l'argent entre joueurs. Oh, la fée, bah ouais, la fée. Oui, la fée carrément. L'armure. Une petite tourelle là. On prend. Le boussole, on prend un tournevis. Ça, on va prendre aussi le casque et de l'armure. On prend. On va commencer un petit peu en déj de place là. J'irai peut-être celui-là aussi de le virer maintenant. Je peux prendre ça. Voilà, parfait. Et bon app, Mazamara. Merci d'être passé. À bientôt. Bah ouais, le retour. Hein. Il y a bien un qui va être maudit. Avec mes ailes, mon chapeau. Moi, je commence à ressembler à un nain bien blindé. Pas d'objet qui me pousse le télé. C'est pas possible. T'essayes d'attendre qui. La peau de pierre, ouais. Le kit médical, c'est quoi? C'est trop bien aussi. Pas assez de thunes. En attendant, on va prendre ça. On peut recycler ça. J'ai pas l'hameçon, donc pas d'intérêt à attendre. Mais il me faut des sous. Hein. J'ai pas de sous à cause de toi. Hein. Merde, j'ai deux points d'objet, quoi. Non, t'as pas assez. Mais j'ai des tentacules sur ma tronche maintenant. Trop moche.
par des petits tireurs. Vraiment, les mines devraient être assez efficaces contre eux. Ça passe. Ouf. 25 d'attaque d'explosion, bah oui. Esquive non, vitesse. Allez. Bon, on va prendre la peau de pierre et c'est tout. On tient de booster l'armure. Ah, ma récolte elle est passée négative. Ouh. Ouais. Toi aussi. Des plus, mais je peux le faire. Ouais, mais ça peut être intéressant même de les verrouiller. S'ils sont maudits, ça veut dire que tu vas pouvoir propager ta malédiction. Parce que des fois, ma manette elle commence à vieillir, elle doit plus réussir à bien. Ça va vieillir, il faudra peut-être la nettoyer un peu. Tourelle médicale à un moment là. Des moments, je vois plus rien, quoi. Bah ouais, je suis d'accord. Ouais. Le dégât en mêlée, ça me va. Ah oui, c'est lui hein, qui tire des gros trucs en ligne droite là. 2 d'armure, 6 d'esquive, c'est trop cher. Oui. Ça, c'est pas mal. Ça. Je peux tout faire si tu prends le petit. Où il est ? Ils sont maudits, tant mieux. Et puis ça fait croquer ta tirelire. Ouais, mais je vais pas rendre mon là, si. Bon, si. Si tu peux verrouiller 4 objets, c'est tant mieux. Hein. Minigun ! Oh la dent pointue. Ouah, si jamais elle est. Si jamais elle est maudite. Il y avait de monde. Ouais.
une bête qui charge. Ouch. J'ai éliminé le petit mais les gros là. On est pas très fort. Insister dessus. Ouais. Mais bon ça va, on tient. Ouais non. Oh bah c'est parfait tout ça. Enfin, pas tout à fait parfait mais. Oui. Vaut le coup. Ah, t'as eu ta... T'as la petite maudite. Énorme. J'ai dû recycler une pour en prendre une. Je suis calme, les gars. Et une grosse armure, cela. Hein. Ouais. Nous. Là. Piège main, voilà, et se défoncer. Oh, même pas une petite montée de niveau. C'est gratuit. La vitesse, allez. Oh, un tournevis violet. C'est bon. Rien qui a été. C'est bon. L'idée, c'est deux trucs là. On va avoir une petite tourelle médicale au prochain coup. Ça m'intéresse pas. Il y a 40 d'ingénierie, c'est pas mal. Le glaçon. Arrive trop tard. Ouais, une vague 18, c'est trop tard. Donc. Bon, ben on va prendre les objets, je pense. Oui, là, avec le un seul hameçon, c'est 20% de chance, c'est bien d'attendre un peu, mais c'est pas non plus. Non, puis surtout que là, en fait, il va falloir que je les combine. En fait, je vais prendre le mieux, quoi. Je pourrais pas réussir à les combiner tous pour avoir un violet. Oui, le chat, on joue. Oh là là, c'est terrible. Tu veux remonter sur les genoux? Le peuple, ils apparaissent de manière bien éclatée. Hein. Mais tes tourelles, elles font vachement bien. Ah bah ouais, j'espère. La vitesse, je suis content. Alors, la vitesse d'attaque, la chance de critique, non, c'est nul. Pour moi, c'est nul. Régène de PV. C'est sur la vitesse. Ouais, la vitesse, c'est juste nul. Ouais, bon, j'ai rien qui a été. Ça, on prend. Alors, ça... qu'est-ce qu'il vaut mieux que je. Pourquoi pas. Là. Économiser, hein.
Ouais, fiche de merde. Je vais enlever le shuriken. Bah oui, ça fait pas des dégâts, ça donne des matériaux. Voilà, les ciseaux, où je prends le temps pour aller. Bien combiné. Oh, mais si. Oui, de Quaken. Oh oui, pas mal. On va le... Ouais, elles font vachement bien, mais les mines aussi. Avec le 25% de portée d'explosion là. Ah, il est dans le rang. Ah, on peut pas cadeau. Pas sûr de pouvoir réussir, mais. Un bruit de code, donc sans doute. Gauche. À droite, en fait, à gauche. Tiens, je me suis trouvé. De l'ingénierie. Parfait. Ah, les ciseaux étaient maudits. Pas vraiment moyen de mouiller. Ah, c'est la dernière vague. Du coup, les ciseaux, les petits ciseaux ont été. Ah oui, les petits ciseaux ont été maudits. Ah bah, c'est le Rix. Hein. Les acheter, ça sert à rien de les verrouiller avant dernière vague. Si. Oh, non, t'as raison. Bah oui, non. Ah oui, mais celui-là il est maudit. Je me dis, il y a peut-être une chance que réussisse à faire. Déjà, tu peux améliorer ça. Oui, bah, je prends ça avec les derniers thunes qui me restent. C'est pas si mal. Oui, c'est bien. T'as plus les shurikens, donc. Alors, c'est quel boss ? On va pas des dégâts en le tapant, on va plutôt essayer de l'attirer au milieu de tourelle. Au moins on arrive à gérer ses copains. Oui.
bien, ouais, ça passe cette fois. Du coup, on a débloqué le marteau de guerre. Attaquer réinitialise le temps de recharge de toutes les tourelles. Oh, lolo, truc de nain, ça. Et le foulard. 4 régénérations de PV, 4 dégâts de mêlée, 4% de vitesse et 25% de vitesse des ennemis durant la prochaine vague. Ça, c'est le truc pour toi, ça. Ah, qui va avec ton perso. Ouais, c'est cool. Allez, les deux tournevis maudits qui font apparaître des mines toutes les 2 secondes, je pense qu'il aurait été pas mal là. 3600, rien qu'en dégâts bruts. Oui, un peu moins. Oh, ma stalactite. Ah ouais, 20 000 de dégâts, j'avoue. En même temps, c'est vrai qu'elle c'est 128. Hein. Avec de la perforation 2 en plus, donc elle perfore 2 ennemis. Vraiment cool. Bon bah, bien joué. Ouais. Une belle partie. On va arrêter la VOD là, du coup. Dans cette victoire. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, c'est le moment. On boit un petit coup d'eau. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette présentation de la COP. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.